je suis pas trop dans les séries, hein, mais là, je viens de regarde que des reportages sur les Condés, tout ça, la drogue. Le risque, ça vient du 9-1, c'est un jeune. Ouais, Migé Moula, zéro dégéné, ça vient du 91, c'est un jeune, hein, de la même cité. Donc là, on est en direct de Bruxelles. Ouais. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites là? Bah, on est venu tourner un clip, hein. Un clip qui va sortir là bientôt. Et c'était quoi, un feat entre vous deux? Ouais. Ça s'est bien passé, le tournage? Ouais, ça s'est très bien passé. Voilà, on a très bien été accueillis par les frérots ici. Voilà, on remercie à Peter Boss et à Versailles. C'est bien passé. C'est léger, merci. Donc toi, tu peux me dire, MIG, ça vient d'où ce nom? C'est les trois premières lettres de mon prénom. Et le risque, pourquoi t'as décidé de t'appeler comme ça? C'est les risques, hein. C'est comme ça, frère. C'est comme ça, hein. Ah, c'est comme c'est ça, pas pour rien. C'est pas pour rien. Et sinon, c'est quoi votre son, là, du moment? Mon son du moment? Je pourrais pas te dire c'est quoi mon son du moment. J'écoute... Moi, en ce moment, j'écoute Chacola, si je savais. Le dernier, là. Si je savais comment faire. Est-ce qu'il y a un album en particulier qui vous a marqué? Deux. Album de musique? Ouais. Moi pas trop, hein. Il m'a marqué genre. Pas trop, hein. Moi il y a Naps, Pochon Bleu. Naps, Pochon Bleu, bon album. Ouais. Après non, moi pas trop. Sinon c'est pas tout. Pas dire comme ça. Voilà. Et sinon, ouais. Votre série du moment, est-ce que vous regardez des séries? Moi j'ai recommencé Gotham. J'ai recommencé parce que je galère. J'ai rien à regarder. Moi, je suis pas trop dans les séries, hein, mais là, je viens de commencer. Il regarde que des reportages sur les Condés, tout ça, la drogue. Non, là, je viens de commencer une série, là. Tu vois, j'ai oublié le blaze, mais... Voilà. Tu vois, la preuve qu'ils sont fous. On essaye. Et sinon, vous, en général, vous écrivez où vos textes? Au studio. Au studio. Des fois, dépend, tu connais, moi, dès que j'ai une phrase. Moi, comme au studio. Des fois chez moi, des fois chez moi. J'écris n'importe où, hein. Et sinon, là, vous avez des projets qui arrivent? Ouais. Ouais, tu connais, hein. Ça bosse un projet. Hein. Là, je vois que vous avez tweeté le maillot de Manchester. Mm-hmm. C'est votre équipe de foot préférée? Non. Moi, je vois rien à foutre. Tu vois, le survêt, il est beau. T'as vu, il est beau, il y a du bleu, tu vois. C'est ça, il est beau gosse. Mais non. Moi, je regarde même pas, j'ai pas trop d'équipe préférée. Moi, j'aime bien juste le beau football. Tant que c'est du beau football. Voilà. Et vous êtes des footeux ou quoi? Moi, je suis un footeux, moi. Moi, je suis un footeux, attention. Attention. Je suis un attaquant, numéro 9. Pas trop dans les dribbles, mais en mode finition, t'as vu, je suis là. Fais la page, je suis là. Voilà, fin. Et est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans la musique, aux jeunes rappeurs? Ah, franchement, lâchez pas. Hein. Ah, lâche pas. Hein. Lâchez pas, frère. Lâche pas du tout. Faut bosser. Lâche voilà. Lâche pas, lâche frère. Pas. Faut pas lâcher, c'est tout. C'est juste ça. C'est quoi votre mot de la fin? Voilà, MIG Moula, restez branchés les gars, là il y a un projet qui va arriver en direct de BX et n'oubliez pas que même si on est tranquille, on y va les mecs.